Bon, là, on devrait m'entendre. Comment? On va refaire ça du début. Donc, bienvenue tout le monde, comme je le disais, à ce troisième rendez-vous d'Histoire de Québec, édition 2020, entièrement numérique. François Lafond, animateur et diffuseur officiel de l'événement pour cette année. Et j'aurai la chance de m'entretenir justement avec un autre très intéressant invité. Ce matin, on a déjà parlé justement des instruments chez les Ursulines. On a également parlé de l'éducation, donc, chez les Ursulines de Québec aussi. Et donc, cet après-midi, j'aurai la chance de m'entretenir avec Mathieu Drouin, qui va nous parler de l'alimentation chez les Ursulines de Québec. Donc, Mathieu Drouin est historien de formation. Il évolue comme coordonnateur en médiation culturelle et chargé de la programmation historique et des contenus numériques au pôle culturel du monastère des Ursulines. Au contact des religieuses, il a développé une passion pour l'histoire de cette congrégation qui ne cesse de le surprendre encore aujourd'hui. Alors, Mathieu, bonjour. Bonjour, François. Donc, comme première question, en fait, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de qui sont exactement les Ursulines? Oui, tout à fait. Bien, d'abord, les Ursulines, c'est une communauté religieuse qui a été cloîtrée jusqu'en 1966, qui est arrivée en 1639 à Québec, et avec les Augustines, c'était les deux premières congrégations religieuses féminines à Québec. Les Ursulines ont fondé la première école pour filles en Amérique du Nord. Juste avant de continuer... Donc, j'espère que j'ai le contrôle de mon PowerPoint. Ça ne sera pas très long. Oui, ça ne sera pas bien long. Donc, voilà. Toutes les recherches que j'ai faites, donc c'est dans les archives des Ursulines, mais aussi dans les collections des Ursulines, et toutes les photos que vous allez voir, sauf une, provient des fonds des Ursulines, donc collections et des archives. Et franchement, pour être un petit peu hors propos en ce moment, je me suis fait un petit peu avoir avec ce sujet-là, parce qu'il y a tellement de stock. Qu'il y a quelque chose pour faire un cours universitaire, voire une thèse de doctorat. C'est là qu'on met en pratique l'esprit de synthèse qu'on apprend dans notre formation. Oui, a été mise à rude épreuve, disons. Alors, justement, voici donc collection et archives pôle culturel des Ursulines. Au lieu de marquer en dessous de chaque photo, ben, j'ai décidé de la mettre qu'une seule fois au départ, sinon ça devenait un petit peu redondant. Voilà. Les Ursulines sont arrivées en 1639, à l'époque de la Nouvelle-France, évidemment. Donc, il y avait une longue tradition alimentaire en Nouvelle-France. Puis, chez les Ursulines, la principale source pour étudier ça, ce sont les lettres de Marie de l'Incarnation. Marie d'Incarnation a écrit des milliers de lettres, spécialement à son fils, mais aussi à son frère, à d'autres personnes en Europe et en Nouvelle-France. Elle fait une savoureuse description à son fils de ce qui se trouve en Nouvelle-France. Donc, on parle de sucre, de pois, de courge, de sel, de miel, de pruneau. Ce sont toutes des denrées qui ont été consommées par les Ursulines, mais aussi de la citrouille. D'ailleurs, elle envoie des graines de citrouille à son fils en France et lui envoie même une recette à comment l'apprêter. C'est un peu apprêté comme des pommes, dit-elle. On trouve aussi d'autres denrées, naturellement, en Nouvelle-France, qu'on retrouve dans les lettres, donc du blé d'Inde, des melons d'eau et bien d'autres. Par les lettres de Marie de l'Incarnation, on sait aussi qu'elle avait un lien très fort avec les Premières Nations, qui a eu une influence majeure sur les Ursulines. En fait, Marie de l'Incarnation nous donne une recette, littéralement une recette de sagamité, donc qui est une concoction d'origine autochtone. Là, je ne veux pas dénaturer les propos de Marie de l'Incarnation, donc j'ai la citation elle-même que je vais vous lire, je trouvais ça très, très important. Et ça va comme suit. « Il me semble que lorsque nous faisons festin à nos sauvages et que pour en traiter splendidement 60 ou 80, on n'y emploie qu'environ un boisseau de pruneau noir, 4 pains de 6 livres pièce, 4 mesures de farine de pois ou de blé d'Inde, une douzaine de chandelles de suif fondu, 2 ou 3 livres de gros lard, afin que tout soit bien gras. Selon Marie de l'Incarnation, c'est absolument indispensable de donner un repas aux gens des Premières Nations qui viennent visiter. Ça serait vraiment une faute de ne pas en donner. Et présentement, donc le pôle culturel du monastère des Ursulines, en fait, le monastère des Ursulines est quand même très, très grand. Il y a beaucoup de pièces différentes, beaucoup d'ailes différentes. Présentement, où est-ce qu'on est? En ce moment, on est dans les appartements de l'aumônier. Dans les appartements de l'aumônier, donc l'aumônier, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le directeur temporel et spirituel des Ursulines, en fait, qui a eu de différents rôles à travers les époques. Naturellement, il y avait lui-même sa propre cuisine, mais il se faisait également servir des repas par les Ursulines. Il y a eu de nombreux aumôniers qui ont eu un impact majeur sur les Ursulines. Le plus connu, je pense, il a été mentionné tout à l'heure par Rachel, Thomas McGuire, qui était, où était-ce par...
par Stéphane, bien, il a eu un tellement grand impact que, qu'on peut le nommer à peu près à toutes les époques. Oui, c'est ça. En fait, c'était Stéphane qui l'avait mentionné justement pendant sa présentation sur les instruments. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact, effectivement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on entende parler de lui juste avant. On le voit partout dans les archives. Exactement. Les Ursulines sont arrivées en Nouvelle-France donc en 1639. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on sait de leur tradition alimentaire? Bien, justement, comme j'ai déjà mentionné, on avait, avec les dates de Marie de l'Incarnation et aussi l'impact des Autochtones, donc on voit que les Ursulines ont à la fois un bagage français, mais aussi un bagage des Premières Nations. Et c'est le cas de beaucoup de personnes en Nouvelle-France, à vrai dire. On veut bien garder la tradition française, mais il faut se faire au climat ou à la disponibilité de différentes denrées. C'était pas aussi facile d'avoir du vin provenant de telle région de France. Là. Disons, il fallait faire avec ce qu'on avait. Et est-ce qu'on sent l'influence des Premières Nations sur les Ursulines? Oui, vraiment. Bon, d'une part sur les recettes qu'elles ont faites au départ, mais aussi Marie de l'Incarnation a appris 4 langues des Premières Nations, ce qui est phénoménal. Là, franchement, elle avait 40 ans quand elle est arrivée ici. Et je pense que je ne me trompe pas qu'à 40 ans ou même à 30 comme moi, ça devient de plus en plus difficile d'apprendre une nouvelle langue. Là, c'est 4 langues, donc l'Iroquois Agné, le Montagnais Innu, l'Algonquin et le Huron, qui sont toutes des langues différentes les unes des autres et bien sûr très différentes du français et du latin. Donc, Marie de l'Incarnation maîtrisait ou du moins connaissait 6 langues. Elle a d'ailleurs écrit des dictionnaires français-Huron et Huron-français qui sont malheureusement perdus de nos jours. Une vraie polyglotte, puis justement, je me demande, pour apprendre ces langues-là, est-ce qu'elle est vraiment partie? Je ne sais pas s'il y a des sources qui attestent de ça, mais est-ce qu'elle est partie vivre dans ces communautés-là pour apprendre leur langue ou vraiment c'est au contact des Autochtones qui étaient ici au monastère des Ursulines? Mais les Ursulines étaient cloîtrées. Elles ne pouvaient pas sortir et faire comme les Récollets ou les Jésuites. Donc, elles devaient attendre que les Premières Nations viennent y voir. Mais c'est arrivé très, très souvent, à vrai dire. Donc, Marie de l'Incarnation a appris, mais aussi grâce aux Jésuites et aux Récollets, ben, ces différentes langues-là. Et ensuite, elle les a enseignées à d'autres religieuses. Donc, elle enseignait dans les langues des Premières Nations et elle a adapté beaucoup son style d'enseignement pour les Premières Nations. Puis, est-ce que les Ursulines ont enseigné longtemps aux Premières Nations? Oui, pendant, en fait, du lendemain de leur arrivée jusqu'en 1725. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit leur influence aussi par les techniques que les Ursulines ont apprises des Premières Nations. Donc, d'une part, on a juste ici, sur la table, un panier qui est fait, donc un panier d'écorce pliée dont les coutures sont faites avec des racines d'épinette. C'est vraiment c'est un plat ou un panier d'ouvrage typique des Premières Nations que l'on nomme Oragan en Atikamekw. Bon, les Ursulines offraient l'éducation gratuite aux Premières Nations et il y a quelques jeunes filles qui provenaient des Premières Nations qui sont entrées aussi au pensionnat, donc avec les petites Françaises et qui ensuite ont un peu vécu comme des Françaises. Mais c'était des exceptions. Est-ce que l'éducation était aussi gratuite pour les jeunes filles françaises? Non. Les Ursulines devaient pouvoir vivre aussi. Là. Elles ne vivaient pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, elles devaient aussi avoir un certain revenu. Ce qui est intéressant en Nouvelle-France, c'est qu'on a énormément de paiements, de frais de scolarité qui sont faits en nature. Et, oh, excuse-moi. Pas de problème, je vais reprendre le contrôle. Voilà. Génial. Donc, on voit ici sur le PowerPoint un panier d'écorce et aussi une boîte en piquant de porc-épic. Donc, la broderie avec des piquants de porc-épic, c'est une autre technique qui a été apprise par les Ursulines. Et pour revenir au panier d'écorce brièvement, on ne sait pas exactement d'où il vient. On ne sait pas si c'est une personne des Premières Nations qui l'a donné aux Ursulines ou si c'est une Ursuline qui l'a fait. Et bon, ça provient du 18e siècle, ça c'est pas mal certain, mais est-ce que c'est une religieuse qui l'a conçue ensuite? On sait que les Britanniques, après la conquête, étaient très friands de ce genre d'objets-là et les Ursulines ont pu en produire pour les vendre d'ailleurs. On me demande dans le chat à savoir si le panier justement qu'on a montré tout à l'heure en plan rapproché, est-ce que ce panier-là est visible au musée des Ursulines? Il n'est pas visible. Évidemment, on est en réflexion pour ce qui est de la présence des Premières Nations dans le musée. On a une soixantaine d'objets qui proviennent des Premières Nations, qui ont un lien avec les Premières Nations dans la collection. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel de développer, si ce n'est pas une exposition, mais au moins un plus grand déploiement de ces objets des Premières Nations. Très bien. Est-ce que l'éducation était aussi gratuite pour les jeunes filles françaises? Ça, je te l'ai déjà posé. En effet, bien, pour revenir un peu là-dessus, les parents payaient souvent en nature.
Et ça, dans les registres de revenus et de dépenses, donc que l'on voit à l'écran en ce moment, que les Ursulines ont soigneusement consigné. Donc, on voit de nombreuses entrées, donc de paiements pour le pensionnat, qui ont été faites en nature. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, on en a juste ici. Et je vais les citer pendant que vous tentez de déchiffrer l'écriture cursive des Ursulines. Donc, le 17 du 10 mois, reçu de Madame de la Pérade en beurre pour 4 mois et demi de pension pour sa fille, l'équivalent de 50 livres. Reçu de Pierre Ravine 20 minots de blé pour la pension de sa fille et ensuite reçu de Madame Duchesnay en viande pour la pension de Mademoiselle Thérèse, sa fille. Et on note aussi dans d'autres entrées bon, du vin blanc, de la morue, du saumon, de l'huile d'olive, des moutons, du beurre, etc. Donc on voit que les paysans, que les gens de la Nouvelle-France payaient en nature. L'argent sonnant et trébuchant, donc les pièces de monnaie, n'étaient pas très courantes en Nouvelle-France. Il n'y en avait pas beaucoup en circulation. En fait, il y en a tellement manqué qu'à un certain moment, on a pris des cartes à jouer et le gouverneur signait en arrière « OK, ça vaut 20 livres ». Donc, on faisait beaucoup de troc. La fameuse époque de la monnaie de carte. Exact. Dans le chat, on demande également « Est-ce que des Amérindiennes ont été converties au catholicisme? Est-ce que certaines sont devenues novices? » Bonne question. Je pense qu'il y en a une qui est devenue novice, en effet, mais ça ne s'est pas continué. C'était pas commun comme phénomène. Non, en effet, et les Ursulines, à vrai dire, se sont rendues compte au début du 18e siècle que leur volonté de faire des jeunes filles des Premières Nations, des petites parfaites françaises, ben, ça ne marchait pas, tout simplement. Et elles ne voulaient pas le faire de force, naturellement, ça n'était pas dans leur valeur. Pardon, je me suis un petit peu égaré. Ben, en fait, on était sur les paiements en nature que les habitants donnaient justement au monastère des Ursulines, mais... c'est beau les paiements en nature, mais j'imagine que c'était pas la seule entrée de nourriture qui devait aller dans le monastère. Non, en effet, là, c'était il y avait beaucoup de diversité en fait au monastère. Dans les registres de revenus et de dépenses, on voit justement que les Ursulines produisaient des denrées et en achetaient aussi. Donc, elles en achetaient au marché. Donc, je me retrouve un peu dans mes notes. Voilà. Dans les registres de revenus, donc, on note de l'argent reçu pour donc de l'argent qui provient du jardin, bon, du lait, des fromages, 45 douzaines d'œufs, ça en fait pas mal, du blé de nos terres en avoine, en veau, en pain et en beurre. Donc, les Ursulines produisaient leur propre fromage. C'est une chose que j'ai apprise d'ailleurs en faisant cette conférence-là. Je ne savais pas qu'elles avaient elles-mêmes une fromagerie. Le beurre, c'était déjà évident par les collections. D'ailleurs, on a juste ici, parlant de beurre, une baratte à beurre qui est probablement plus tardive que l'époque dont on est en train de parler en ce moment, mais ça montre que les Ursulines ont produit du beurre pendant un bon bout de temps et on le voit dans les registres de revenus et de dépenses. Donc, comment fonctionnait cette baratte à beurre? On mettait tout simplement la crème dans le récipient et on activait la manivelle. Bon, on demandait à une religieuse qui avait un bon bras d'activer la manivelle pendant un certain temps, justement, jusqu'à temps que le beurre soit baratté. Et les Ursulines achetaient également au marché pas mal. C'était très varié. Ah oui, juste avant. Dans les collections, on a aussi des marques à beurre. Donc, c'était la façon d'un peu de mettre sa marque de commerce. Les Ursulines en vendaient au marché et faisaient bien sûr que cette marque-là était apposée dessus. On en a d'autres, d'ailleurs, dans les collections. Quand tu parles de marque, tu parles vraiment de sceau d'identification, un peu comme un sceau commercial? Un sceau d'identification commerciale, okay, exact. Okay. Donc, c'était leur marque de commerce. Et il y en a de différentes à travers les collections. Ça pouvait aussi servir à simplement faire que la motte de beurre qu'on servait au dîner pour un invité de marque était plus belle, tout simplement. Alors, donc, au marché... On note de nombreuses denrées très différentes, donc de la bière, du vin de messe, de l'eau de vie, des prunes, des pois, des cochons, des œufs, des saumons, du vinaigre, du sel végétal, du sel, des yeux d'écrevisse. Je me demande bien ce qu'elle faisait avec ça. Du miel, de l'huile, de la cassonade rousse, blanche et belle, et de nombreuses et différentes épices. Donc, on voit qu'en Nouvelle-France, on avait accès à toutes ces denrées-là. Les Ursulines n'avaient pas leur fournisseur privé, là. Elles prenaient ça au marché, ce qui était disponible pour les gens. Et ça, c'est juste pour l'année 1716. Toutes les denrées que je viens de vous nommer, c'est juste pour l'année 1716. Il faudrait faire toute une étude sur toute la période. Donc ici, c'est juste un livre de dépenses, de recettes et de dépenses de 1715 à 1746. Là, c'est une année, 1716. Ça vient un peu, selon moi, briser le mythe que l'alimentation en Nouvelle-France, somme toute, se limitait à quelques aliments, qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité. Là, clairement, on voit qu'il y a une énorme diversité de nourriture.
énorme diversité, tu l'as dit, et surtout un attrait pour tout ce qui est sucré. Il y avait oui, c'est beaucoup ça. De cassonade, beaucoup de mélasse, beaucoup de sucre, des confitures. Donc, on en produisait, on n'hésitait pas à se sucrer le bec en Nouvelle-France. Hein. Une autre question de Sylvie Montreuil dans le chat qui nous demande, en fait, savons-nous qui a défriché les terres du couvent des Ursulines, là où était leur couvent? On le sait peut-être, mais moi, personnellement, je ne le sais pas. je m'engage à faire des recherches et à vous donner la réponse un peu plus tard. Donc, si vous voulez contacter le pôle culturel du monastère des Ursulines via notre page Facebook et reposer la question, je vais y répondre. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, clairement, on voit que c'était un peu l'abondance, là, finalement, en 1716. Où est-ce qu'elle mettait toutes les denrées qu'elle consommait durant l'année? Où est-ce que c'était conservé? D'une part, il y avait des endroits dans le monastère qui étaient faits pour ça. Donc, on parle du grenier, par exemple, qui veut littéralement dire en latin, c'est l'endroit où on met le grain. On ne s'est pas cassé la tête. Les Ursulines produisaient énormément de céréales. Et ça m'a beaucoup surpris, à vrai dire, quand j'ai fait la liste. Et encore juste en 1716, on parle de 693 minots de blé. Bon, ça ne me dit pas grand-chose aujourd'hui. Mais pour faire un je pourrais montrer tout le calcul, mais ça donne à peu près 20 tonnes de céréales. 20 tonnes, quand même. 20 tonnes. Et ça valait à l'époque à peu près 5000 livres. Donc, c'était énormément d'argent. Donc, pour en revenir au grenier, on mettait ça justement dans, si tu peux me redonner mon... Oui. Le contrôle de mon point, en fait. Merci beaucoup. Donc, grenier, on voit ici un des greniers des Ursulines. Ici, on l'appelle le grenier au coffre parce que maintenant, ce sont des coffres qui y sont. Mais si on regarde entre les planches, on voit à certains moments des bouts de paille ou des bouts de céréales qui sont toujours présents. Comment on faisait pour monter tout ce grain-là en haut? Ça prenait un panier et une poulie. Donc, les Ursulines ont installé ça dans ce qu'on appelle l'escalier Saint-Augustin. Donc, un trou au centre d'à peu près donc un mètre par un mètre. Et il y avait un grand panier qui descendait et qu'on pouvait monter facilement au grenier avec ça. Et juste à côté de l'escalier Saint-Augustin, on a justement une statue de dévotion qu'on appelle Saint-Joseph au blé. C'est pas pour rien. Les Ursulines ont comme patron de leur monastère Saint-Joseph, qui est présent un petit peu partout. Et elles demandaient à Saint-Joseph de protéger certaines choses qui leur étaient chères. Le blé, c'était une des sources de nourriture principales des Ursulines. Elles faisaient du pain, mais là, beaucoup, beaucoup de pain. Évidemment, ça prenait beaucoup de blé, d'où le nombre justement qui justifie d'en avoir autant. Exact. Elle en vendait aussi. Elle vendait leur surplus, donc elles en gardaient de ce blé-là. Elles ne vendaient pas tout au marché. Et pour ce qui est des huiles, des viandes, des fruits, des légumes, bien, on mettait ça dans les caves. Il y a évidemment, quand on construit un monastère, il y a nécessairement une cave ou une cave voûtée. C'est là où ça se conservait le mieux. Naturellement, quand on avait toutes ces denrées-là qui étaient présentes dans le monastère, bien, il faut les préparer. On ne peut pas manger des grains de blé comme ça. Donc, il faut les préparer. Et le plus ancien livre de recettes des Ursulines qu'on retrouve aux archives, bien, c'est les Délices de la campagne, qui date de 1665. Ça, c'est l'époque de Marie de l'Incarnation. On ne sait pas si Marie de l'Incarnation a utilisé ça ou si c'est arrivé plus tard. C'est pas noté dans les archives, mais c'est un livre qui est de tradition française pure et dure. Là. On retrouve des recettes de vraiment toutes sortes de choses, beaucoup de desserts d'ailleurs. beaucoup de desserts. Des recettes de pain, mais aussi comment apprêter des fruits, des légumes, des poissons, des viandes, comment faire des confitures, etc. C'est de la cuisine française que les Ursulines ont naturellement dû adapter au contexte. On a quelques questions dans le chat fort intéressantes. En fait, il y a Sandrina Hennegan qui se demande combien mesurent approximativement les seaux de beurre dont on a parlé un peu plus tôt. Elle trouvait que l'image le rendait très grand, mais est-ce que c'était vraiment des grands seaux comme tel? Non, on ne le prenait pas comme ça. Non, c'est ça. C'était à peu près la partie large, à peu près 4 à 5 cm de large, le maximum 3 à 5 cm de large. Évidemment, chaque seau était différent, celui qu'on a vu tout à l'heure devait mesurer à peu près 3 cm de diamètre, grosso modo. Excellent, merci pour la réponse. On a aussi Alex Tremblay-Lamarche, quelqu'un qu'on connaît bien justement au Rendez-vous d'Histoire de Québec, qui nous dit un grand merci pour cette conférence fort intéressante. Je serais curieux de vous entendre davantage sur les influences étrangères américaines. Oh, j'ai perdu la question, ça ne sera pas long. Britannique, française, voire autre dans l'alimentation des Ursulines. Est-ce que le fait de recevoir des étudiantes et des religieuses américaines au 19e siècle, ça influence l'alimentation au couvent? Bien, je répondrai comme si tu me devances, Alex. Je vais en parler un petit peu plus tard. On reste pour l'instant dans la Nouvelle-France. Okay. On y arrive, exactement. Excellent. Mais quelle pertinente question.
Nathalie Chaperon qui nous demande aussi est-ce que l'alimentation des ursulines était très différente de celle en vigueur en France à la même époque? Du tout. Les ursulines évidemment, il fallait s'adapter au contexte. J'ai bien compris la question, c'était en France, n'est-ce pas? Les ursulines versus ce qui se consommait en France ou en Nouvelle-France? Par rapport à la France, oui. Par rapport à la France, c'est sûr qu'il y avait des aliments qui étaient moins disponibles. Cependant, comme on l'a vu tout à l'heure, les ursulines héritaient de la tradition française et tentaient de l'appliquer du mieux qu'elles pouvaient. Mais compte tenu, encore une fois, du climat, de la disponibilité de certains aliments, il fallait nécessairement improviser et s'adapter. J'ai bien l'impression aussi que les repas devaient être un peu plus consistants qu'en France, compte tenu du climat, spécialement durant l'hiver. Également, ça ne sera pas bien long. C'est en France, oui, ça, je l'ai lu. Sylvie Lacourcière qui demande également la différence entre sel et sel végétal. Ah! Bonne question. Bon, le sel, c'est le sel de table que vous connaissez, qui est extrait soit de la mer, soit des mines de sel. Le sel végétal, c'est en fait, c'est extrait de plantes et ce sont des cendres salées. Quand on n'avait pas accès au sel, le sel était une denrée un peu de luxe à l'époque de la Nouvelle-France, c'était pas facilement disponible comme aujourd'hui. On utilisait des cendres salées pour assaisonner les aliments. Donc, je vous invite à faire une recherche dans les ouvrages d'histoire pour avoir plus de détails sur là où les plantes comprenaient pour faire les sels végétaux. Merci beaucoup. Alex aussi qui demande à quel point l'alimentation des ursulines s'apparente à celui des autres communautés religieuses, tant féminines que masculines de l'époque. Est-ce qu'on note une différence, par exemple, avec celle des Augustines ou des messieurs du séminaire? Bien, c'est voilà un beau sujet pour une thèse de doctorat. Oui, hein, c'est ce que je suis en train de dire aussi. J'ai pas la réponse rapide à cette question-là, mais je vois pas pourquoi l'alimentation aurait été si différente, parce que les Ursulines et les Augustines ont une façon de fonctionner qui était assez similaire. Les Jésuites les Récollets et les gens de la Nouvelle-France avaient accès, grosso modo, aux mêmes denrées. Si chez les Ursulines, on avait un tas d'épices, du miel et tout ça, je ne vois pas pourquoi dans d'autres communautés religieuses, on fasse non, moi, j'en prends pas. Donc, moi, je dirais que c'est assez semblable, mais naturellement, ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de recherche que ça. Et finalement, j'ai une question également de Danan Tezio, qui est un de mes spectateurs sur Twitch, en plus, que je reconnais bien, qui demande en fait, justement, lui est originaire de France et il demande si l'huile d'olive était importée d'Europe à l'époque. Oui, absolument. On ne faisait pas pousser d'olives ici, puis je pense même pas qu'on en fait pousser aujourd'hui. Là. Ça ne pousse pas fort. Non, c'est ça. Ça n'a pas dû changer aujourd'hui, vraiment. Non, c'est ça. Maintenant, on parlait justement tantôt, quelqu'un dans le chat avait posé une question à savoir comment se comparait l'alimentation des Ursulines à celle du reste de la France, mais par rapport à la Nouvelle-France, justement, par rapport au reste de la Nouvelle-France. On l'a touché un peu avec la question d'Alex Tremblay-Lamarche. Oui. Bien, en fait, c'était assez similaire. La façon de manger en Nouvelle-France, c'est bien sûr hérité de la France avec des influences des Premières Nations. On peut résumer ça comme ça. Mais naturellement, les Canadiens n'ont pas tout adopté des Premières Nations, les Premières Nations n'ont pas tout adopté des Français non plus. Bien sûr, il y a des spécificités. Oui, évidemment. Sinon, tu nous avais parlé de l'abondance qui avait régné en 1716, qui avait été, on l'a bien vu, là, justement, une forte année d'abondance là, en nourriture. Mais évidemment, il devait probablement y avoir des périodes de 17 aussi. Oui, la Nouvelle-France n'échappait pas aux aléas du climat, mais aussi les guerres. C'est ça qui a causé le plus de tort aux Ursulines, le plus de dommages, particulièrement la guerre de la conquête, spécialement en 1759, lors du siège de Québec et de la prise de Québec ensuite. Et dans les annales, justement, on retrouve une citation de l'analyste de l'époque, et je vais vous la lire, je ne veux pas dénaturer les propos de l'analyste. Donc, ça va comme suit. « Nous avons perdu dans le combat les récoltes que nos terres avaient produites, et nous n'avions qu'un petit coin de terre où l'armée n'avait point passé. Nous recueillîmes pour pouvoir vivre environ 60 minots de blé. Cela ne pouvait point nous faire passer l'hiver, ayant perdu nos bestiaux, bœufs et vaches, que la cavalerie française nous enleva. » Donc, ce n'est pas juste les Britanniques qui ont pillé et qui ont brûlé les récoltes qui étaient à blâmer pour la disette chez les Ursulines, mais aussi la cavalerie française qui a réquisitionné les bœufs et les vaches des Ursulines. Pour revenir à donc, 60 minots de blé, il y avait 41 religieuses, si ma mémoire est bonne, en 1759. Ça fait à peu près 4 gros sacs de farine de 10 kilos. Oh, on se dit, c'est pas pire. Ah, oui, mais pour les 5 à 6 prochains mois. Ouais. Donc, ça devenait une situation très périlleuse, très compliquée pour les Ursulines. Et non seulement ça,
L'école a fermé aussi pendant que le monastère était occupé par les soldats britanniques. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de paiement de frais de scolarité, que ce soit en nature ou en argent. Donc, les Ursulines se retrouvaient à court d'une source de revenus qui était extraordinaire. Et en plus, dans leur jardin, ils n'ont pas vraiment pu entretenir leur jardin comme d'habitude à cause des bombardements. On note une baisse des ventes au marché de 75% de leur production, donc de leur jardin. C'est énorme. On voit c'est que vraiment énorme, oui. Toute la Nouvelle-France était en famine à ce moment-là et le prix des denrées était très élevé. C'est une manière assez raide quand même de finir le régime français. Oui, en effet, là, ça venait clore la Nouvelle-France d'une manière assez difficile. Et pour clore un peu sur la Nouvelle-France, il faut se rappeler que ce sont les lettres de Marie d'Incarnation, les registres de revenus et de dépenses et les annales qui sont les principales sources d'informations. On a un livre de recettes aussi, mais on ne peut pas se fier sur un seul ouvrage pour dire que c'était appliqué à tous les jours. Pour aller plus loin sur la Nouvelle-France, pour ce qui est de l'alimentation, le livre « À table en Nouvelle-France » d'Yvon Desloges est vraiment l'ouvrage le plus complet, mais on ne retrouve pas beaucoup d'informations sur les Ursulines. Et je me demande si M. Desloges est venu aux archives des Ursulines, mais en tout cas, comme je l'ai dit, il y a des thèses de doctorat qui manquent là. Oui, c'est ça, exact. On entre finalement, donc, on termine le régime français, on entre maintenant dans la période du régime britannique. Est-ce que tu peux nous faire justement un résumé de cette période-là pour ce qui est des Ursulines, afin de nous mettre un peu en contexte? Oui, bien, ça commençait de manière assez difficile. Toute la fin du 18e siècle, c'était un moment où les Ursulines ont dû vraiment se recentrer et être très résilientes pour continuer. Pour l'illustrer, ben on voit d'une part que en 1759, elles avaient 41 religieuses. Bon, quand même un bon nombre. En 1775, on tombe à 36. Naturellement, il y a des religieuses qui sont décédées, dont certaines pendant le siège de Québec, et il n'y a pas eu beaucoup de recrues. Et en 1800, elles sont 34. C'était la première fois de l'histoire des Ursulines qu'on voyait une baisse à long terme du nombre de religieuses. Et c'est un peu surprenant parce que, disons qu'une école pour filles, c'est assez important pour une colonie ou pour une communauté. Et il y avait aussi les guerres qui ont beaucoup nuit aux Ursulines. Les Américains déclarent leur indépendance et décident que d'attaquer Québec, c'est une bonne idée. Bien, en 1775, les Américains détruisent les récoltes et pillent beaucoup. Et donc, les prix deviennent très élevés, encore une fois, au marché. Et en plus, on note une diminution du nombre d'élèves qui venaient au pensionnat, à l'école des Ursulines. Donc, encore une fois, une baisse de revenus pour les Ursulines. Cependant, les Ursulines ont développé des solutions à ça. Elles ne se sont pas laissées abattre. D'une part, elles ont commencé à vendre ou à mettre en location des terres qui étaient moins utilisées. Donc, ça leur permettait d'avoir des revenus qui étaient stables, spécialement à partir des années 1780. Une autre tuile leur est tombée sur la tête en 1789, la Révolution française. Les Ursulines détenaient des terres en France qu'elles avaient héritées de Madame de la Peltrie, leur fondatrice, et donc elles perdent ces rentes-là au cours des années 1790. Et à partir des années 1800, ça commence à s'améliorer pas mal. Elles ont fait des ouvrages d'écorce, mais aussi de broderie et de dorure qu'on peut voir juste ici. Bon, juste avant, on peut parler de ce magnifique dessin de James Patterson Coburn de 1830 qui montre les Ursulines en train de bénir leur jardin au mois de mai. Donc, on voit que c'est important de bénir le jardin. Donc, panier d'écorce, donc des ouvrages en écorce, des broderies et de la dorure qui ont été faites pour ramasser des revenus. Elles en faisaient pour elles-mêmes et pour d'autres congrégations religieuses, mais aussi tout simplement pour vendre aussi, pour être capables de continuer leur mission d'éducation. Donc, à partir des années 1800, ça s'est beaucoup amélioré. D'abord, les Britanniques ont fait de gros investissements à Québec. D'abord, le port de Québec était un des 5 plus grands ports au monde en 1805. Ça donne une idée de l'importance de Québec au niveau économique. Mais aussi, il y a plus de recrutement. Les Ursulines sont rendues 45 religieuses en 1825. Donc, on voit que l'engouement pour les Ursulines et les congrégations religieuses en général revient. Et les Ursulines se sont adaptées à la nouvelle réalité de Québec. Au milieu des années 1800, on parle d'une population de Québec qui est pas mal 50-50 franco-anglo, environ 40% et 60%. Donc, les Ursulines, elles font quoi? Bien, elles ont des recrues qui sont anglophones, elles font que leur pensionnat devient bilingue et commencent à enseigner la science et les beaux-arts. Donc, leur pensionnat devient de plus en plus populaire, ce qui leur permet de se remettre sur les rails et ils ont aussi une meilleure gestion financière à ce moment-là.
Donc, si je comprends bien, les ursulines ont réussi à passer à travers tous les bouleversements provoqués par le changement de régime. Puis, est-ce qu'on va voir des changements dans l'alimentation à cette époque-là? Oui, on va en voir, pas juste chez les ursulines, mais aussi dans toute la Nouvelle-France. D'une part, les gens, à partir d'après la conquête, ne payaient plus les frais de scolarité en nature. C'était payé en argent. Avec la conquête, l'argent sonnant et trébuchant est devenu beaucoup plus abondant. Les monnaies de carte, on ne voyait plus ça. Les bons d'échange, on ne voyait plus ça. Donc, c'était vraiment des paiements en argent. Ça vient faciliter l'administration pas mal, mais les ursulines doivent donc trouver des sources de nourriture ailleurs. Heureusement, malgré qu'on perd une source pour ce qui est de l'alimentation, il y en a d'autres. Les registres de revenus et de dépenses, c'est encore la première source d'information pour ce qui est de l'alimentation. Et on voit justement vers 1780 qu'apparaît chez les ursulines le café et le thé. On sait que le café était déjà disponible en Nouvelle-France. Donc, Père Calme, le botaniste, était venu dans les années 1740 et avait noté la présence du café en Nouvelle-France, mais aussi avait noté l'absence de thé. Il y a aussi le chocolat qui est arrivé. La première fois qu'on voit du café, c'est en juillet 1775. Donc, on le voit tout en haut de l'écran. Ensuite, le thé, c'était en... j'ai oublié ma date, pardon. Donc, c'était 1777, non, c'était plus tard. Peu importe. Autour des années 1780. Il y a une question fondamentale qui est arrivée chez les ursulines avec l'arrivée du café et surtout du chocolat. Est-ce que quand on jeûne, si on boit du café et qu'on mange du chocolat avec notre pain, est-ce qu'on brise le jeûne? C'est une question très sérieuse qui a été envoyée à la Sainte Pénitencerie de Rome. Et la réponse est venue, ben non, c'était pas de briser le jeûne. Donc, pendant le jeûne, on pouvait manger du chocolat et boire du café. Donc, parfait. Si vous faites un régime, ben vous pouvez manger quand même du chocolat. Vous ne brisez pas votre jeûne. C'est très bon pour moi. Il y avait quand même une bonne codification, un bon protocole quand même pour l'alimentation. Oui, tout à fait. Surtout entourant les jeunes, c'était très, très codifié. En 1777, on note dans les registres de revenus et de dépenses l'arrivée des patates, les pommes de terre. On sait qu'en Nouvelle-France, que les pommes de terre n'étaient pas vraiment consommées à grande échelle. Et c'est vraiment avec la conquête qu'on a commencé à acheter des pommes de terre, à les consommer. À les faire pousser. Avec l'arrivée des Irlandais, donc à partir des années 1830, là, c'est devenu vraiment une généralisation de l'utilisation de la pomme de terre au Québec. On ne s'en passerait pas aujourd'hui. Puis, est-ce que les registres d'achat et de vente sont les seules sources à cette époque-là pour étudier l'alimentation? C'est les principales, oui, mais ce n'est pas les seules. Heureusement, on a des livres de recettes aussi. Les Ursulines en ont plusieurs, d'ailleurs, dans leurs archives. Je vais en présenter quelques-uns, si tu me le permets, me redonnant le contrôle de mon PowerPoint. Merci beaucoup. Oui, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Parfait. Donc, on commence avec le confiseur royal. Ça, c'est vraiment des sucreries. Le nom est très prestigieux quand tu le prononces. Oui, tout à fait. ça date de 1825. C'est de la cuisine française avec des inspirations allemandes également. Donc, on a des sirops, des crèmes, des confitures, des crèmes glacées même. Et c'est à partir des années, justement, des années 1800 qu'on voit un changement dans l'alimentation. Le confiseur royal, c'est pas tant surprenant. Mais si on prend Archfield and Universal Guide for Invaluable Recipes and Directions, etc., etc., les titres étaient très, très longs à ce moment-là. C'est un livre qui est très large. Donc, on y parle de bienséance, d'hygiène, de médecine et de recettes de gâteaux. Et pourquoi on sait que c'est vraiment une influence britannique, bon, même si ça a été fait à New York, c'est qu'on y retrouve des recettes de gâteaux qui sont typiquement anglaises. Je vais changer de diapositive si c'est possible. Oui, ça devrait marcher normalement. On a un petit bug technique. Ah, ça fonctionne pas. Avec les livres de recettes. Ah, parfait. Donc, livres de recettes, on a le Queen's Cake, Lemon Cake, Tea Cake également. Donc, c'est des recettes typiquement anglaises. Et on voit aussi l'influence américaine là-dedans. Et enfin, si tu peux encore changer de diapositive.
Oui, c'est bizarre parce que je suis dans le PowerPoint puis on dirait que la manette essaie donc de repasser dessus. Ouais, voilà, ah. ça fonctionne de nouveau. Je sais pas problème si... de transmission avec l'émetteur USB peut-être. Peut-être bien. Donc, la nouvelle cuisinière canadienne, parue dans les années 1860, c'est un recueil de recettes à la française, à l'anglaise, à la canadienne, à l'allemande, à la polonaise, à l'espagnole. Donc, c'est un exemple de diversité qu'il pouvait avoir au monastère. Bon, je ne sais pas si on faisait des recettes à l'espagnole à tous les jours, mais au moins, on l'a dans un livre de recettes. Puis, naturellement, pour compléter l'alimentation durant le régime britannique, il faudrait éplucher toutes les correspondances de la communauté à la recherche de petits indices par-ci par-là. Mais ça, c'est une tâche colossale, absolument colossale. Il y a eu quelques échanges quand même plutôt intéressants dans le chat. On parlait notamment du bombardement de 1759 pendant le siège de Québec. Jusqu'à quel point le bombardement a marqué justement le monastère des Ursulines? Est-ce qu'ils ont été fortement touchés ou... Le monastère a été touché. D'ailleurs, les Ursulines ont toujours dans le monastère des boulets de canon de cette époque-là. Ah oui, OK. Wow. Donc, c'est tombé dans le jardin, c'est tombé à travers la chapelle également, le toit de la chapelle et plusieurs autres endroits. Les Ursulines, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris tout ce qu'elles avaient de précieux, bon, spécialement ce qu'elles avaient dans la chapelle, et l'ont mis dans une cave voûtée, donc qu'on appelle le corridor de pierre dans l'aile Sainte-Famille, pour protéger ça. Et ce n'était pas possible de conserver que toutes les Ursulines restent sur place. Elles sont donc sorties de leur monastère, donc se sont décloîtrées, c'était vraiment exceptionnel, et sont allées aider les Augustines à l'hôpital général. Il y a un lien d'amitié qui lie les Augustines et les Ursulines depuis leur arrivée en Nouvelle-France en 1639, et ça s'est continué, bien sûr, après la conquête. D'autre part, il y a un boulet de canon qui a pénétré par la chapelle et qui a fait un trou dans le plancher. Selon la tradition orale, on aurait enterré Montcalm dans ce trou de boulet de canon-là. Bon. On sait que Montcalm a été enterré dans la chapelle des Ursulines, ça c'est sûr et certain. Mais bon, les circonstances autour de ça, ça y reste quand même assez nébuleuse. Il y a Mme Nathalie Chaperon également qui demande « Est-ce qu'il n'y avait pas de l'entraide entre les diverses communautés religieuses à Québec pour trouver de la nourriture? » Tout le monde manquait de nourriture. Donc, on faisait de notre mieux pour en trouver, mais on n'a pas de traces, par exemple, de correspondance avec d'autres communautés religieuses ou des laïcs qui disent « Ah, d'accord, nous, on en a un peu, on va vous en laisser. » On n'a pas de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de collaboration, mais on n'en a pas de traces. Donc, je ne peux pas donner de réponse claire à ça. Et également, Dan Antesio qui demande si le thé faisait le voyage de la Grande-Bretagne ou si ça provenait des Amériques. Je n'en ai aucune idée. On n'a pas la provenance dans les registres de revenus. On ne dit pas que c'est du thé américain ou du thé anglais ou du thé... Il faudrait faire de plus amples recherches chez les marchands du régime britannique pour savoir d'où exactement ils s'approvisionnaient, mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça serait d'autres sources vraiment externes à ce qu'on peut avoir accès là, justement au monastère des Ursulines. Oui, tout à fait. Également parlant, justement, si on revient sur les livres de recettes, avec le dernier livre de recettes qui date des années 1860, est-ce qu'on entrepend un peu dans le Canada moderne? Oui, en effet, qui commence en 1867. Bon, on périodise l'histoire de façon un petit peu arbitraire en 1867, mais quand même, les Ursulines connaissent à partir du milieu du 19e siècle vraiment un âge d'or. C'est là où les revenus du pensionnat deviennent très élevés, où elles font des agrandissements dans le monastère, où elles ont de plus en plus de religieuses, elles atteignent leur pic du nombre de religieuses et du nombre d'élèves à la toute fin du 19e siècle. Oui, il y en avait combien des religieuses? D'ailleurs, une belle photo qui nous vient ici de 1867, prise par probablement Jules-Ernest Livernois, qui payait les frais de scolarité de ses filles avec des photos. Le fameux fonds Livernois dont il y a tellement de photographies, un fonds vraiment très riche en histoire. Oui, et au monastère des Ursulines, on en a une trolley aussi. Alors, pour ce qui est du nombre d'Ursulines, le plus grand nombre d'Ursulines, ça a été environ 115 vers 1910. La chapelle, comme on le voit sur la photo ici, devait être absolument remplie à craquer. Mais ce n'était pas juste les religieuses qui allaient dans la chapelle intérieure des Ursulines, il y avait aussi les pensionnaires. Puis il y en avait combien de pensionnaires? Bien, il y avait 150 pensionnaires plus 200 demi-pensionnaires. Donc ça, c'est les élèves qui mangeaient à l'école. Certaines trois repas par jour, certaines un repas par jour. Et ça, c'est sans compter les externes qui ne dînaient pas à l'école. On 350 élèves qui prennent des repas plus la centaine de religieuses à trois repas par jour. On s'approche pas mal du 1000 repas par jour qui est le titre de cette conférence. 1000 repas par jour, ça n'en fait pas mal.
Et donc, c'est ça, finalement, on parle de... Oui, c'est ça, donc le nombre de religieuses, oui, ça, on l'a abordé. Puis justement, on s'entend que c'est vraiment beaucoup de gens à nourrir, beaucoup de cuisine à faire, de repas à préparer. Ça nécessite énormément de ressources. Comment les Ursulines faisaient pour nourrir autant de personnes? Il y avait trois grands aspects pour répondre à cette question-là. D'une part, l'approvisionnement. Ensuite, l'organisation. Et ça prend des équipements aussi. Donc, pour ce qui est de l'approvisionnement, bien, il faut répondre à la demande. Les Ursulines mangeaient, les élèves mangeaient. Et dans les dépenses de 1875, on note de juin à novembre l'achat de 411 minots de patates. Donc, j'ai justement un extrait des recettes et des dépenses dans le PowerPoint. Donc, je veux passer à la prochaine diapositive. Oui. Parfait. Donc, on voit en haut 362 minots de blé, mais au total de juin à novembre, il y en a 411. Ça fait 11 000 kilos de patates. En novembre, et là, attachez votre cholestérol avec la broche, on a 3303 livres de beurre, 1050 livres de mouton, 600 livres de morue. Et ça, c'est juste un avant-goût. Il y a plein d'autres entrées de nourriture. J'ai pris les plus marquantes. D'ailleurs, l'automne, donc en novembre, octobre, novembre et même décembre, c'est le moment où les Ursulines font des gros achats parce que c'est la récolte, les prix sont plus bas, donc elles emmagasinent pour l'hiver. Et elles ont la capacité de, grâce à, aux frais de scolarité, ben, de payer en argent immédiatement. Donc, on aimait ça aussi, leur vendre des denrées parce qu'elles payaient tout de suite. Les Ursulines continuaient à cultiver leur jardin. Si tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Oui, tu peux y aller normalement. Ça n'a pas l'air de fonctionner encore. Peut-être que c'est un petit problème de connexion. Ce n'est pas très grave. Alors, donc, elles faisaient aussi la culture de leur jardin. Donc, à travers toute la Nouvelle-France et jusqu'aux années 1950, à vrai dire, elles ont cultivé leur jardin. On voit encore des produits du jardin qui sont vendus, qui sont écoulés au marché. Mais on ne sait pas quelle quantité de production du jardin elles avaient. Elles n'ont pas noté exactement tout ce qu'elles produisaient. Ça aurait été vraiment intéressant de le savoir. On a des bribes par-ci par-là, mais rien pour créer un portrait qui est complet ou faire une analyse qui est vraiment profonde. À moins qu'on trouve dans les archives un document qui était un document surprise qui vienne lister tout ça. Mais franchement, j'en doute pour l'instant. Il y a une religieuse, d'ailleurs, qui était attitrée à l'approvisionnement. La sœur Célérière, c'était celle qui faisait sûr qu'il y avait assez de nourriture pour tout le monde, mais aussi que la nourriture allait se conserver assez longtemps. Elle était accompagnée de la mère supérieure et de la sœur économe qui regardait bien les dépenses. Si les dépenses qui avaient été faites avaient été de bonnes dépenses. C'était bien important de ne pas dépenser trop. Une fois que la nourriture était produite, ben, encore une fois, il fallait la préparer. Et pour 1000 personnes, c'est une tâche assez colossale. Pour ça, les responsables, c'était des sœurs converses. Les sœurs converses, c'était celles qui s'occupaient bon, du ménage, de la cuisine, de toutes sortes de choses, mais qui n'enseignaient pas, généralement. On les appelait communément, donc les élèves les appelaient les matantes. Pourquoi les matantes? Bien, elles appelaient leurs enseignantes les mères. Donc, c'était les sœurs des mères, donc des matantes. Les matantes, c'est celles qui faisaient donc la cuisine, les sœurs cuisinières. C'était organisé de façon hiérarchique. La première sœur cuisinière préparait le terrain, donc donnait le travail aux autres, décidait aussi ce qu'on allait semer au printemps. Donc, elle devait s'arranger avec la sœur salarière pour pas qu'ils aient des denrées en double. Donc la deuxième sœur cuisinière, c'est celle qui s'occupait de la soupe. Ah, on note encore la tradition française qui continue ici. Et la troisième s'occupait expressément des repas pour les pensionnaires. Donc, si c'était pas bon, c'était de sa faute. Donc, comme tu as dit, le rôle de ces religieuses-là était quand même assez à l'arrière-plan, mais sans elles, il n'y aurait carrément pas eu de monastère. Une fois la nourriture produite ou achetée une fois qu'elle était entreposée, il fallait la préparer aussi, évidemment. Ben oui, exact. Puis les Ursulines, quand elles achètent des choses sur le marché, c'était en grosse quantité, mais aussi des carcasses complètes. Par exemple, les quelques mille livres de moutons dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était probablement des carcasses de moutons qu'elles ont débitées sur place. Et justement, dans les collections, on a quelques blocs de boucher et on en a mis un ici avec un superbe couperet. Un superbe couperet de boucher. Je vais simplement le prendre ici pour le montrer davantage aux gens, vu que il est difficilement visible. Donc, un superbe couperet de boucher. C'est difficile d'évaluer quelle époque il provient, mais donc on,
il apparaît assez ancien. Je vais devoir faire plus de recherches pour savoir exactement. On est sûr qu'il provient à peu près de l'époque de la Nouvelle-France, par contre. Bonne question. Je ne suis pas assez expert en couteau de boucher pour me prononcer sur cette... Donc, on me souffle à l'oreille 19e siècle. Oh, OK. 19e siècle, c'est bon. Donc, voilà. Donc, bloc de boucher qu'on a dû utiliser très abondamment. Et parlant de bloc de boucher, on s'entend que c'est une tranche d'arbre. C'est ça. C'est carrément un gros tronc d'arbre qu'on a juste coupé une tranche, puis mis des pattes dessus, puis voilà, t'as ton bloc de boucher. Exact. Ça faisait la job. Rudimentaire, mais c'est ça exactement. Ça faisait visiblement très bien le travail. Là. Surtout, j'aime bien voir toutes les marques, toutes les coupures qu'on a sur le dessus du bloc. On voit qu'il a vraiment beaucoup servi. Il a beaucoup servi, c'est sûr. Il a même creusé tellement le travail a été intense. Et pendant très longtemps, souvent, les Ursulines pouvaient utiliser les mêmes ustensiles pendant des dizaines, voire une bonne centaine d'années. Alors, on enchaîne naturellement. Donc, le billot de boucher couperait, donc les 1000 livres de mouton, c'était débité sur place. Ça devait être assez salissant, merci. L'automne, c'était le temps de l'année le plus occupé pour les Ursulines. Bon, d'une part, les élèves étaient de retour à l'école, mais aussi, c'était le temps des récoltes. Donc, il fallait faire des corvées. Les corvées de cueillette de pommes, mais pour faire aussi les conserves, préparer le ketchup rouge, vert aux fruits et les confitures aussi. Oh, des confitures. On aime toujours ça, les confitures le matin. Ah oui, puis les Ursulines aimaient ça aussi parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À ce point-là? Je vais laisser les gens à la maison juger. En fait, en 1903, on en a 5990 livres de confitures. 7990? 5990, donc près de 3 tonnes métriques de confiture. De confiture, de toutes sortes de choses, d'ailleurs. Ça en fait de la confiture. ce que vous voyez à l'écran, c'est un registre où on notait tous les types de confitures qu'on faisait et quelle quantité. Il se retrouve au musée en ce moment, donc dans une vitrine consacrée à l'alimentation. C'est à voir au musée du poids culturel. La confiture était vraiment très appréciée des élèves. C'était parfois elles en recevaient un petit peu à la sauvette, un petit peu un peu clandestinement par les sœurs cuisinières. Leur en glissaient une tartine à la confiture. Mais un peu de confiture donnait aux élèves sur 6000 livres, ça paraît pas trop. Non, c'est ça. On s'entend que c'est pas une grosse perte. Non. Donc, c'est ça, 6000 livres, c'est wow. J'en viens pas encore du chiffre, ça m'a vraiment estomaqué quand t'en as parlé. Puis à part le bloc de boucher, justement, que tu nous as présenté tantôt, qui est vraiment, vraiment intéressant, est-ce qu'il y avait d'autres éléments pour préparer les aliments dans les collections? Oui, on en a à peu près 440, donc des éléments pour préparer les repas, mais aussi pour les servir. Donc, d'une part, on en a quelques-uns de la Nouvelle-France, plusieurs du 19e siècle et beaucoup du 20e siècle. On a des moules, des emporte-pièces, des couteaux, des casseroles, des contenants, des cafetières, des vides pommes. Pour les corvées de pommes, ça prenait des vides pommes, sinon c'est long pas mal. Les Ursulines ont aussi, se sont beaucoup modernisées au début du 20e siècle. Elles ont acheté un four où on peut cuire 32 tartes à la fois. 32, wow. Ça prend du monde de manger ça, là. OK, oui. Mais il y avait beaucoup de gens en même temps qui résidaient dans le monastère, donc ça peut se comprendre quand même. Oui, c'est ça, ça se mangeait. Je suis pas mal sûr que ça se mangeait. Naturellement, pour préparer la nourriture, on a beaucoup d'objets, mais pour la servir et pour manger cette nourriture-là, ça prend aussi des ustensiles et des couverts et des plats de service. On en a beaucoup. Il y a deux types de vaisselle en plus, pas juste un type. Il y a la vaisselle des jours ordinaires, en étain ou en céramique. Et il y a de la vaisselle pour les grands jours, pour les jours de fête, des assiettes en argenterie ou en porcelaine. Et d'ailleurs, on en a un superbe exemple juste ici sur la table, un légumier en porcelaine qui était sorti lors des grandes occasions. Lorsqu'on recevait l'évêque, par exemple, ou lorsque c'était la fête de Noël, de Pâques, ou parfois aussi, on célébrait un jubilaire. C'est-à-dire, lorsqu'une Ursuline, ça faisait 45 ans, 60, 70 ans qu'elle était dans la congrégation, bien, on célébrait souvent avec des gâteaux. Et on a d'ailleurs quelques photos de gâteaux dans les archives, mais elles n'étaient pas assez de bonne qualité pour que je les présente aujourd'hui, là, elles auraient mal sorti à l'écran. Donc, on ne pourrait pas se faire des recettes de gâteaux de l'époque puis les comparer avec les photos pour se dire « j'ai vraiment fait le gâteau comme dans le temps ». Ça serait plus difficile, là. Il faudrait venir aux archives puis avoir une mérisation d'excellente qualité.
Oui, c'est ça, exact. Justement, je rebondis dans le chat, il y a Sylvie Montreuil qui dit « Dans les années 60, notre collation, comme les élèves, était souvent composée de tartines aux confitures. » Et voilà. Donc, on voit que ça s'est quand même promené là, comme tradition. Et ça date de la Nouvelle-France. Dans le premier ouvrage qu'on a, premier livre de cuisine de 1665, il y en avait des confitures. Donc, c'est quelque chose qui nous provient de la cuisine française et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Dans les grandes occasions, les élèves en faisaient partie aussi. Les élèves résidaient avec les Ursulines, donc elles prenaient part aux grandes fêtes également. Mais la plupart des journées, c'était des journées ordinaires qui étaient pas mal codifiées. Pour ce qui est des règles à table, si ça t'intéresse, il y en avait pas mal. Bon, d'une part, silence. Ça devait être silence dans le réfectoire. Autant le réfectoire des religieuses, donc si tu veux changer de diapositive, dans le réfectoire des religieuses, mais aussi dans le réfectoire des élèves. C'était bien important de toujours garder silence. On disait avant le repas les grâces et la bénédicité et d'autres prières avant de pouvoir s'asseoir et également avant de se lever après le repas. Il y avait cependant une lecture qui était faite à une tribune, une lecture pieuse, ça pouvait être des vies de saints, des passages de la Bible. Les élèves et les religieuses qui étaient attablés, et bon, imaginons que je veux le sel qui est loin par là-bas, ben ça prend des signes pour... Donc, on a développé un langage des signes qui comporte au maximum 70 signes environ. Donc, pour toutes sortes de choses qui est liées à l'alimentation. Donc, il fallait les connaître pour avoir le sel et non pas la coupe de fruits. Donc, on voulait le silence à ce point-là dans le réfectoire que même pour, mettons, demander des aliments à table, on avait carrément un langage des signes strictement fait pour ça. Exact. Wow, c'est vraiment impressionnant. Mais durant les grandes fêtes, on pouvait parler. Donc, il y avait un certain relâchement et il y en avait quelques-unes par année, donc elles étaient très, très attendues. Et évidemment, les règlements, les règles que je viens de prononcer, ça a varié avec le temps. Donc, je parle du début du 20e siècle. Évidemment, ça peut être différent en Nouvelle-France et durant l'évolution du monastère. Puis, donc, c'est ça, les grandes occasions dont tu parlais, c'était quelles grandes occasions, par exemple? Noël et Pâques. Noël et Pâques, c'était les grandes, grandes occasions. On a reçu parfois un gouverneur général, même la femme du premier ministre qui venait ici. À ce moment-là, on sortait la belle vaisselle et on faisait des beaux gâteaux. D'ailleurs, avec cette dernière période-là, on rentre dans les temps modernes. Nomme-moi une nouvelle forme d'art qu'il y a dans les temps modernes à partir des années 1860. Nouvelle forme d'art dans les années 1860. Mon cours d'histoire de l'art remonte à loin un peu. La photographie. Ah, la photographie, ben oui. Trop évident. On cherche trop des fois. Oui, c'est ça. J'ai déjà montré quelques photographies, mais je vais vous en montrer quelques-unes d'autres qui représentent bien ce que les Ursulines faisaient en cuisine. Naturellement, les photos que je vais vous montrer, généralement, elles n'étaient pas prises sur le vif. C'était des mises en scène parce qu'il fallait rester immobile pendant plus longtemps, quoique dans les années 40 et 50, c'était pas si mal. Bon, je voulais vous montrer absolument les religieuses au travail. Cette photo-là, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure à l'équipe, une photo où on voit une montagne de beignes. C'est littéralement le cas de ce qu'on voit sur la photo? Je ne les ai pas comptées, mais il doit en avoir pour pas mal de monde. Oh oui! on note que c'est en décembre 1958, donc on devait se préparer à la célébration du temps des fêtes et on en faisait. Tu vois, cette tradition-là, on l'a même dans ma famille où chaque année dans ma famille à Noël, on fait à peu près, je pense, 70 ou 80 beignes pour toute la famille. Puis de voir ça, bien, finalement, c'est comme si c'était notre fournée, mais multiplié par 10 quasiment. Exact. Les Ursulines devaient passer une très grosse quantité de beurre à ce moment-là. Mais on voit on voit dans les registres de revenus qu'elles en avaient. Ce n'est pas trop un problème. Je veux encore une fois changer de diapositive. Voilà. Donc, ici, George Driscoll, qui est bien connu un peu comme l'hivernois bon, pour ses photographies. Donc, des religieuses qui préparent des galettes en 1948. Encore une fois, des galettes, il y en avait. On devait encore une fois se préparer pour une grande fête. Je ne pense pas que c'était à tous les repas qu'on avait du dessert. Non, j'imagine que non, sinon la ligne s'étire un peu vite. On ne souhaitait sûrement pas ça non plus. Quelque chose qui est bien important aussi que je veux aborder pour la cuisine chez les Ursulines, si naturellement le PowerPoint veut bien coopérer. Est-ce que tu arrives à changer? J'arrive pas à changer, malheureusement.
Je vais essayer de recliquer dedans. Réessaye donc voir. Et non, ça ne fonctionne pas. Non plus, OK. Donc, tu peux la changer de façon manuelle. Oui. Les classes d'art culinaire. Les Ursulines, peu importe ce qu'elles ont fait durant l'histoire, ça reste des enseignantes et leur mission prime par-dessus tout. Et cette photo-là, en témoigne, on montre à faire à manger. Disons que les Ursulines, c'est devenu assez des expertes avec le temps. Surtout à préparer 1000 repas par jour. Là, ça prend des bonnes connaissances, des bonnes recettes. C'était naturel pour elles de transmettre leur savoir. Ça rappelle un peu l'ancien cours d'économie familiale qu'on avait jadis là, dans les écoles. Exact. Et enfin, si tu veux changer de la diapositive, merci. Oui. Une dernière, sœur Gertrude Larouche. Pourquoi cette religieuse-là? C'est qu'elle a transmis énormément de ses connaissances dans un livre qu'on appelle « 350 ans au coin du four », où on a des recettes françaises, et même donc françaises, britanniques, américaines, même qui proviennent du Japon, parce que les Ursulines ne sont pas juste au Québec. Elles sont au Pérou, au Japon, aux Philippines, jusqu'en Indonésie aussi, en Chine. Elles l'ont été pendant longtemps. Et un peu partout au Québec, naturellement. Donc, elles ont intégré aussi le savoir d'autres cultures. Et ce livre-là, 350 ans au coin du four, est disponible à la boutique du Musée du Pôle culturel. Donc, si vous voulez intégrer un peu de votre... Avis aux intéressés. Oui. Si vous voulez avoir de bonnes recettes héritées des Ursulines et de la tradition française, c'est l'ouvrage à voir. Écoute, c'est vraiment très fascinant tout ce que tu nous transmets depuis tantôt, ce que tu nous donnes comme information. Ça nous permet vraiment d'en apprendre plus, en fait, sur l'alimentation chez les Ursulines. Puis selon toi, ben, c'est quoi la grande tendance qui va caractériser l'alimentation au monastère de Québec? C'est sûr que c'est difficile de tirer une grande conclusion fleuve, mais je vais quand même essayer. Je pense que les Ursulines ont toujours été en équilibre entre la tradition et l'adaptation au contexte. Ça a été vrai avec Marie de l'Incarnation qui a appris des langues amérindiennes. C'est vrai avec les Ursulines qui, après la conquête, ont commencé à vendre des terres et à produire des denrées qui étaient en demande. C'est vrai avec leur sortie du cloître aussi dans les années 60. Elles se sont adaptées à la modernité en retournant à leurs sources. Bon, c'est une autre question, toute l'histoire d'Angèle Mérici. Vous irez lire sa biographie. Les Ursulines aussi, c'est la tradition orale. Il y a beaucoup de savoir qui a été passé de génération de sœurs en génération de sœurs jusqu'à aujourd'hui. Et heureusement, le livre de recettes 350 au coin du four demeure. Il y a toujours des Ursulines qui sont là, qui sont dans le monastère en ce moment et qui sont au jardin d'Évangéline et conservent ce savoir-là. Et en terminant, je veux revenir sur un point, je pense que j'ai déjà martelé un peu durant ma conférence. Chaque ligne du journal de revenus et de dépenses, chaque photo d'archives, chaque lettre, chaque outil de correspondance, chaque outil de cuisine mériterait d'être analysé pour en tirer un maximum. Donc, c'est un appel aux gens à la maîtrise ou au doctorat en histoire ou en ethnologie ou en toutes sortes de disciplines historiques. On a de superbes sources qui n'ont pas été encore analysées. Si vous voulez faire un travail qui est vraiment fascinant, basé sur du nouveau matériel, il faut venir chez nous. Donc, s'il y a des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui pensent faire des études en histoire dans la région de Québec et qui voudraient peut-être étudier un sujet un peu plus local, si vous cherchez un sujet d'études, bien justement, vous pouvez en discuter avec notre invité et puis il va peut-être pouvoir vous épauler un peu, justement. Avec moi d'une part, mais aussi avec les gens des collections et des archives. Là. Je suis vraiment pas tout seul là-dedans. Mathieu Drouin, merci beaucoup pour cette conférence qui était vraiment, vraiment super intéressante. Ça m'a fait plaisir. Super bel échange et j'ai été captivé tout du long. J'espère que vous aussi, à la maison, vous l'avez été. Pour ma part, encore une fois, très heureux d'animer cet événement-là que sont les troisièmes rendez-vous d'Histoire de Québec. Je vais juste changer un peu de scène, voilà. Alors voilà, très heureux d'animer cet événement-là. Donc, pour ceux et celles qui viennent d'arriver au courant là, finalement de la conférence, ne vous en faites pas, elles vont toutes être disponibles en différé sur la page Facebook des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Mon nom est François Lafond, je suis l'animateur et diffuseur officiel des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Donc, notre prochain rendez-vous, j'ai plus Laura devant moi, je crois que c'était la dernière conférence. Pour aujourd'hui, oui. Donc, on se retrouve finalement demain matin à, si je me rappelle bien, 11h. 11h. Donc, j'étais plus sûr entre 11h ou 11h30. Donc, demain, le 14 août à 11h, on va recommencer d'autres diffusions comme on a fait aujourd'hui avec d'autres invités très intéressants, très passionnés et d'autres sujets vraiment très intéressants. Donc, au nom de toute l'équipe des Rendez-vous d'Histoire, ben, on vous remercie de votre présence et au plaisir de vous revoir pour les prochaines diffusions.